Je suis là pour défendre les valeurs de la République. C'est quoi les valeurs de la République? Les valeurs de la République, ce sont la fraternité, la liberté et l'égalité. Vive la France, vive la République. Nous sommes réunis ce soir pour exprimer notre solidarité aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre et à leurs familles. Il y a eu Paris, mais n'oublions pas Beyrouth, le Sinaï, Ankara cet automne et tous les autres attentats de cette année 2015. Nous voulons dire non à la haine et aux amalgames comme réponse à la terreur. Nous voulons dire oui, nous restons unis au-delà de nos différences. Nous serons même plus unis qu'avant. C'est tellement la merde dehors que même les pompiers perdent leur matériel. Un monsieur la récupère se disant que ça pourra aider. La dame blessée et les autres ont peur. Ça pleure dans le salon. Il doit être 23h, voire un peu plus, et toujours pas de secours. Le quartier est bouclé, les forces de l'ordre sont postées en bas de la rue. Ma grande sœur et elle bloquées dans un resto en bas de la rue à 200 mètres. Encore sans réfléchir, je descends avec Sophia. On interpelle un militaire, il devrait nous trouver un pompier. On retrouve ma sœur, en bas de la rue, elle va bien. On est en famille. Un premier pompier arrive enfin, suivi de 3-4 autres. Ils évacuent les blessés et l'état de choc. On a bien sûr éteint la télé, trop anxiogène. On reçoit des infos par téléphone, 60 morts, l'horreur. On essaye de rassurer ces gens, les langues se dénouent. Ils sont trois, revendiquent la Syrie. On est bloqué, on ouvre la fenêtre histoire d'aérer, boum, boum, c'est l'assaut. Je suis infirmière, ok, en gériatrie, mais infirmière quand même. J'appelle les pompiers pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Ils me demandent de me rapprocher des secours. Je descends, ambiance lourde, silence, puis bruit des secours. Peut-être ont-ils besoin du défibrillateur? La sécurité civile le récupère. Il est 1h30, un peu plus. Ça bouge un peu, c'est bon, on peut sortir. J'explique aux policiers qu'on a recueilli environ 30 personnes, dont une quinzaine qui étaient dans le Bataclan. Ils viennent pour les récupérer avec la protection civile. Il est 2h. La maison se vide. Ouf, c'est fini. Sensation bizarre. Mon fils de 4 ans s'est enfin endormi. Il a rien compris. Je suis mère de 4 enfants, française, musulmane et voilée, et infirmière en gériatrie. Voilà mon islam, ouvrir une porte, un appart, à des gens qui avaient peur. Qui sauve une vie, sauve l'humanité, le Saint-Coran. Bravo. À l'heure actuelle, on sait que cette attaque a été perpétrée par une bande de fucking assholes. Une belle bande d'enculés, des enculés intergalactiques, travaillant possiblement avec d'autres fucking enculés, travaillant pour sûr pour une shit idéologie de merde.
Deuxièmement, secondly, et ça, ça va sans dire, allez bien vous faire foutre, bande d'enculés! Allez vous faire foutre, et surtout loin et ailleurs! Et troisièmement, c'est important de se rappeler, rien de ce que ces enculés essayent de faire ne va marcher. La France va résister, et je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes en guerre avec leur culture et leur mode de vie aux Français, eh ben putain, good fucking luck, guys. Bonne chance, les gars. Parce que, allez-y, ramenez-leur votre idéologie de merde. Et vous, et à vous, ils vous amèneront Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, du bon vin, des cigarettes gauloises, Camus, du camembert, des madeleines, Marcel Proust, des macarons et leur putain de pièce montée. Hein? Vous savez, cette fucking putain de pièce montée pour les mariages et tout. Alors, vous ramenez une rigoureuse philosophie d'abnégation de soi-même face à une tuerie de la pâtisserie, les mecs. Hey, la pièce montée, c'est la tour française de la liberté. Et vous pouvez rien faire face à elle. You fucked. Vous êtes baisés, les mecs. Mayeul Gobert, 30 ans. Juan Alberto González Garrido. Véronique Geoffrey de Bourgie, 54 ans. Micheli Gilles Femez, 27 ans. Le maire de Strasbourg était là et autour de lui, un certain nombre de ses adjoints et adjointes étaient présents. Alors, je ne peux pas vous donner la liste de tout le monde parce que je n'ai pas vu tout le monde, mais l'équipe municipale autour de Roland Ries s'était mobilisée, oui. Ce qui a été fait, c'est que le conseil municipal de lundi a été reporté à vendredi parce que symboliquement, c'était important. Ça paraît difficile de débattre d'un certain nombre de sujets au regard de ce qui s'est passé, mais la vie continue. Et donc, à Strasbourg, nous avons une culture aussi du débat, de l'échange. Et donc, oui, la vie continue et on l'a vu au moment des événements de Charlie. Strasbourg s'était mobilisé aussi très fortement. Donc il faudra soutenir les citoyens comme ce soir qui prennent des initiatives parce que c'est une initiative citoyenne ce soir. Je pense que nous sommes dans un moment effectivement important et que si j'avais un message que je souhaite faire passer, c'est effectivement d'avoir aussi un regard sur ce qui se passe dans l'international, qu'on ne vit pas dans un bocal. Et que peut-être de comprendre les enjeux internationaux nous permettront de mieux comprendre les enjeux locaux. Ça peut paraître basique de le dire, mais penser global, agir local, ça a du sens pour moi. Et je pense que réellement, nous sommes dans cette dynamique-là aujourd'hui. Évidemment, quand on est touché ici en France, on est particulièrement ému, mais il faut savoir que c'est le quotidien de beaucoup de gens partout dans le monde. J'ai moi-même reçu plein de messages d'amis partout dans le monde, de Cuba, d'Équateur, de Pérou, de Palestine, qui vivent des situations très compliquées et qui pourtant sont en solidarité avec nous. Et donc voilà, je pense que la solidarité internationale doit redevenir un leitmotiv. Strasbourg a un héritage effectivement interculturel très fort et donc il nous faut continuer à renforcer cet héritage interculturel par tous les biais qu'on a. Et la vie associative par exemple est un levier extraordinaire et les gens se rencontrent, les gens effectivement peuvent permettre de faire tomber un certain nombre de clichés et je pense que c'est ça qu'il faut continuer à faire, que les gens puissent se rencontrer parce que c'est souvent de l'ignorance qui crée de la xénophobie, du racisme et c'est absolument contre ça qu'on doit lutter, contre les amalgames et contre tout ce que peuvent engendrer ces attentats et les réactions. Dans mon cœur, il est une étoile qui m'inonde de ses rayons. Elle brille dans mes yeux pâles et rutile sous mes haillons. Les grands murs alors disparaissent
pays m'appartient soudain. Sous son beau ciel plein de tendresse, ses baisers seront pour demain. Sous son beau ciel plein de tendresse, ses baisers seront pour demain. Thank you. La place est noire de monde. C'est la fin de ce rassemblement que nous avons voulu recueillant, sobre. Et je voudrais ici encore remercier tous ceux qui sont derrière moi. C'est eux qui ont été à l'œuvre ce soir pour partager quelque chose avec nous. On est ensemble. Et je vous invite à déposer vos bougies et à quitter la place dans le calme. Nous restons unis, nous restons ensemble. Merci, Strasbourg. Vous voulez pas un câlin ? Ouais. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.